Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Prochaine petite réparation. Moi, j'aime ça vraiment finir la semaine avec ces petits appareils-là, malgré que des fois, je me fais embrasser, puis c'est des problèmes beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Un petit compresseur. C'est un petit compresseur qu'une bonne cliente m'a apporté ici. En premier, là, je vais mettre un nouveau branchement d'allume-cigarette, parce qu'il n'y a plus rien. Il manque de bout. Mais avant toute chose, je vais démonter ça. Je vais le brancher directement sur mon bloc d'alimentation ici local. On va vérifier qu'est-ce qui se passe avec. Ça ne doit pas être grand-chose. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Il y a une petite pompe, un petit moteur, puis une lampe en avant. Fait que, allons-y. On va commencer par ouvrir ça ici. OK. J'en ai de toutes les sortes de ces branchements-là. On va l'écarter, mettre mon bloc d'alimentation à 12 volts, 12,5 à peu près. Et voilà. En ce moment, il était 1,8 ampères, on va l'augmenter. On va mettre 3 ampères. Le positif, c'est toujours celui de centre, le négatif, c'est l'autre. La lumière marche. Ça fait peur, ça. Ça fait peur. On va voir ce qui se passe en dedans. On dirait qu'il y a des morceaux qui ont débarqué. La lumière fonctionne numéro 1. Finalement, il fonctionne bien. Il met un bruit d'enfer, là, mais il fonctionne bien. Là, c'est sûr que mon bloc d'alimentation, il a ses limites. Là. Quand je le retiens, je suis capable de montrer à 20 livres, à peu près. Je monte à 30 livres. Donc, je vais y arranger le branchement seulement. C'est juste ça. On va remonter ça là. C'est tout. C'est pas plus long que ça. J'ai trouvé un beau petit kit de remplacement. On va même pouvoir y mettre, eux autres, ils marquent un fusible de 12 volts, 15 ampères. Et voilà, on va avoir une nouvelle prise. Ça, c'est ici. Et voilà. On va l'essayer sur une vraie batterie. Elle éclaire pas mal plus. Fonction numéro 1. Fait que Madame Roughhead, votre petite pompe, vous pouvez la laisser dans l'auto. Fonction numéro 1. Maintenant, il y a une bonne brise dessus, avec un fusible. Toujours pratique à voir ça en route. Moi aussi, j'en ai un, il reste dans le camion. Ma petite pompe. Merci, bonne fin de journée.